Et donc, nous jouons sur la tour des amis, famille, de la crise, si nous y avons une brise, nous pouvons nous de la crise. Nous avons quand même partagé certaines informations qu'a pu nous payer, informations qu'a pu nous la vie, mais nous remercions déjà à tous les gens qui nous connectent, et aux mêmes qui toujours, là, dans l'information, nous disons grand merci, nous étions connectés, nous-mêmes, dans notre travail, pour nous capables, ouais, et comme nous capables de satisfaire en matière d'information. Et TV la crise, chaîne d'information, qui est de la crise, pour capables de vous donner information sur la vie. Et le ministre Joseph nous connaît lui-même qui était critiqué et devant public dans le Parlement national et critiqué pour des GPNH dans nos villages pour des effets qu'on est. Eh bien, si c'est travail ou bon travail, ou vous bon travail, parce qu'il était, eh bien, fait déjà ou parce que pas bien le résultat qui baille dans la police, parce que Badio continue après la loi et devant G, tout le monde, déjà G du monde, mais continue de demander. Et PM1 a demandé des GPNH là pour bien prouver ça le qu'on fait, ça le qu'on fait, pour bel résultat. Et bien, on fait encore, et PM1 lui-même, lui, demandé, PM1 avait déjà excuse, et lui dit déjà, lui, son œil, il connaît, et connaît capacité, il connaît son œil qui compte la voix. Il va commencer, bel résultat, dans sa PM1, hein, question ordi, question insécurité, quand va le terrain, après il a dit, mais l'immédiat pour continuer et lui-même son équipe exigeant, même qui va travailler pour commencer la résultat, exigeant pour bailler plus. Et il dit que lui est déjà lui commencer la résultat, demander que déjà c'est plus il faut toujours parce qu'il travaille. Il connaît le compte de travail, mais le problème de suivre. Déclaration. Puis lui-même qui t'a posé une question journaliste ou rapport universitaire, lui-même qui t'a posé sous question, qui a un rapport avec PIA. Eh bien, bon, écoutez, avec tout le monde qui était connecté, TV la crise, pas oublié. Si toutefois, vous avez intéressé ou du moins, vous pouvez abonner, abonnez avec nous, parce que nous-mêmes, nous là, en permanence, pour chercher une information sur le média. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, les membres de la presse parlée, écrite, télévisée, en ligne, distingués invités, sans vouloir faire un accro au protocole, Madame la directrice de cabinet, Monsieur le secrétaire général de la primature, Monsieur le directeur général, Monsieur le directeur de la communication, je tiens à remercier tous les amis de la presse pour avoir répondu favorablement à l'invitation en vue de couvrir la cérémonie d'aujourd'hui. Il s'agit de la remise du rapport préliminaire commandité par le gouvernement de la République, conformément aux vœux du président de la République, son excellent Jovenel Moïse. Ce rapport concerne plus précisément l'importation des produits pétroliers sur le marché haïtien. Cette démarche s'inscrit dans la logique normale de la gouvernance où le contrôle du fonctionnement des marchés relève d'une activité régulière de l'autorité. Autrement dit, cette enquête n'a rien à voir avec la conjoncture. Elle s'insère dans la dynamique de la régulation des marchés, qui est une obligation de l'autorité publique, comme je viens de le dire. Selon la mission qui lui a été confiée, l'Inspection générale des finances, IGF, l'unité de lutte contre la corruption ULCC et l'unité centrale de renseignement financier UCREF devraient collecter des informations sur la gestion du carburant sur une période de 10 ans, soit de mars 2010 à mai 2020. Cette période se divise en deux sous-périodes. La première, mars 2010. À mars 2019, la période où l'État assumait l'importation des produits pétroliers à travers le BMPAD, qui est le Bureau de monétisation de l'aide au développement. La deuxième période, de mars 2019 à mai 2020, qu'on appelle période de la libéralisation du marché pétrolier haïtien, à la demande des compagnies pétrolières. Ça veut dire, l'État, à un certain moment, du moins dans le premier temps, qui a
importer produits à travers BMPAD. C'était de mars 2010 à 2019. En deuxième période, compagnie pétrolière ont fait valoir leurs droits, ou bien elles avaient demandé l'autorisation de commander les produits. Ces informations concernent en particulier le cadre légal, les marchés publics, les transactions financières liées aux importations des produits pétroliers. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je reçois le rapport au nom du président de la République. Et j'en profite pour remercier ces trois institutions qui ont beaucoup travaillé pour leur professionnalisme et le respect aussi du délai. Parce que j'avais déjà reçu une correspondance disant qu'elles avaient déjà terminé, mais malheureusement, par souci de temps, on n'a pas eu l'opportunité de recevoir le rapport. Alors, c'est fait aujourd'hui. Je remercie tout le monde. Merci d'être venu. Et je repasse la parole au maître de cérémonie. Merci beaucoup. Merci, PM. Comme je l'avais dit tantôt, on n'aura pas de questions sur le rapport puisqu'il s'agit d'un rapport préliminaire. Il n'est pas encore définitif. Maintenant, le PM est disposé et disponible à prendre deux ou trois questions de l'actualité pour clore la cérémonie de ce matin. On demande la parole, on s'identifie et on s'approche. Bonsoir, je suis Daniel Sénat pour le Nouveliste et Magic 9. Monsieur le Premier ministre, le Bureau intégré des Nations Unies, BNU, qui sorti un communiqué de presse dans ce moment, qui a demandé pour être capable de poursuivre les auteurs, attaques et exactions sur le monde des quartiers populaires, et limiter l'accent particulièrement sur Jimmy Cherizé, alias Barbecue. Est-ce que nous avons une réaction par rapport avec les demandes, par rapport avec prise de position? Deuxième question, est-ce qu'on a une divergence de vue entre vous-même et les États-Unis, ambassade américaine, département d'État, sous le directeur général de la police là, puisque vous avez montré que vous êtes très insatisfait par rapport avec le travail, alors que États-Unis et ambassade des États-Unis, département d'État, vous plaidez plutôt pour vous et mettre plus de moyens à disposition de la PNH pour le capable de faire le travail? Concernant le rapport BNU, nous prenons note. La police nationale, avec les autorités judiciaires du pays, a continué à chercher Jimmy Cherizé, qui est un fugitif. C'est bon, mon cap marché dans la rue, même gens avec ou avec moi. Il a continué à chercher. Et nous comptons que, yo même tout, yo a pas accompagné dans ça pour un état de droit dans le pays. L'autre question, moi, je n'ai pas vraiment pour une divergence avec l'ambassade américaine. Haïti, c'est un pays souverain. N'a pas continué à faire travail, non? On demande plus à qui peut donner plus. Nous gagnons une police que y a professionnalisé depuis plusieurs années. Nous gardons des éléments de la police là. Ils sont très compétents. Tant que directeur général de la police là, je ne veux pas personne ne comprenne que moi-même, de haut calibre, c'est un monsieur intègre. Parce que jusqu'à présent, beaucoup j'entends des personnes dire que le tétion poule dans la ria ou bien le tétion volonze. Son monsieur très bien, les compétents. Comme moi, son monde qui toujours a fait autocritique, moi, parce que je suis ami de la perfection, m'a demandé le plus, les cabaye plus, et tout le monde a constaté que les commencé baille plus. Merci beaucoup. Ça va? Bonjour. Zégo Charles, raison 2000, c'est toujours, c'est plutôt une petite précision, ou bien on relance dans sa guerre avec. Et déjà, PNH, si vous estimez que c'est compétent, qu'est-ce qui d'après vous-même fait défaut de résultat ça? Qu'est-ce qui est à la base? Est-ce que c'est un problème de moyens ou autre? Merci. Bien sûr, il y a un problème de moyens. Mais moyen le gain yo yo pas du moins résultat que ba yo pas proportionnel à moyen que le gain yo mais pour manque de moyens toujours gain manque de moyens
m'pa kwè gen ni l'armée ni la police aucun pays qui rive à satisfaction dans moyen que yo ba yo. Mais j'aime toujours dire insécurité a c'est li cause dollar a monter comme ça. Insécurité a c'est li cause que nous pas ka faire recette yo dans niveau DGI avec la douane. Insécurité a c'est li même qui avec instabilité politique là empêcher que entrepreneur investir dans pays a pour créer job. Insécurité à tout, c'est lui-même qui crase production agricole là, parce que si m'ta ka prend ça qui passe dans la Tibonite avec ça vient presque toute vallée de la Tibonite employé ou bien ouvrier agricole yo pas qu'à travail, paysan yo pas qu'à travail. C'est-à-dire faut-il bien que police nationale là li continue prendre responsabilité et m'a continuer réclamer plus parce que yo ka bail plus et c'est leur bail plus. L'économie pays a la marché pi bien n'a résoudre tout problème inflation que nous gagne ou bien résoudre en partie et n'a continuer bail police nationale la moyen pour continuer fonctionner.